Giacomo Agostini, Barry Sheen, Phil Reed et Kenny Roberts. Quatre champions du monde bataillant pour dominer la course de l'année en 1974 sur le circuit de Mallory Park à Leicester, l'un des circuits les plus rapides d'Angleterre. Reed fait l'intérieur pour essayer de prendre la tête alors que son coéquipier Gianfranco Bonada chute. Reed, Sheen, Roberts, Agostini. Quatre grands noms du monde de la moto. Faisons un bond en avant de quelques 23 années et retrouvons Phil Reed accompagné de Geoff Duke pour honorer le grand Michael Wood, permettant ainsi à certains souvenirs de remonter à la surface. En réalité, c'est effrayant de repenser à cela, que c'était il y a déjà 41 ans. Je pilotais ma BSA Gold Star ici à Mallory Park, je campais dans les paddocks, je connaissais mes premières chaleurs et je chutais dans l'épingle à cheveux pas loin. Mais c'était vraiment grisant. La moto ne fut pas trop endommagée et je pus rentrer à la maison. Voilà, ce fut ma première course en 56, courue le 13 mai. L'année suivante, j'ai emprunté une camionnette à l'un de mes amis et ce fut un luxe de dormir dedans. De pouvoir cuisiner des œufs et du bacon à l'arrière, c'était plutôt bien. Nous n'avions pas encore de motorhome, pas d'auvent, ni même de tente à cette époque, mais ça nous était égal. Nous nous amusions énormément, on ne voulait qu'une chose, courir. Et peu importe qu'il pleuve ou non, on faisait avec. De quelle manière Phil s'est-il intéressé à la course ? En réalité, mes parents sont partis en lune de miel sur deux motos. On peut donc dire que j'avais ça dans le sang. Je me souviens conduire la Velocette de mon père dès l'âge de 12 ans et repenser à ça aujourd'hui, que de souvenirs. Il m'emmena alors à Silverstone, je pense, en 1954, et j'ai vu Geoff Duke et toutes ses stars. Je fus vraiment très impressionné, j'ai pensé que je pouvais faire aussi bien que cela. C'est réellement comme ça que tout a commencé. Ma première véritable grande course fut un Grand Prix à Manx, en 1960. Je suis allé sur ce Grand Prix à Manx avec deux Norton, une 350 et une 500. J'ai dû abandonner en 350, mais j'ai gagné en 500, classe senior, une sorte de record en soi. Je pensais être alors déjà au top, j'ai commencé à signer pas mal de contrats, mais tout ne fut pas aussi facile que ça. Je me suis aligné au TT l'année suivante et par chance j'ai gagné, entouré de toutes ces stars, de Michael Wood à Bob McIntyre, en passant par Alex Decking, Derek Minson et Gary Hawking sur sa 350 MV. Le tandem Hawking-MV Agusta faisait d'eux les principaux favoris. Les concurrents du TT Junior partent deux par deux avec de courts intervalles et sont rapidement à l'attaque dans cette course de plus de 360 km de l'île de Man. Haywood mène au quatrième tour, mais des problèmes moteurs l'obligent à abandonner à seulement 20 km du départ. Hawking, après avoir établi un nouveau record du tour, continue à attaquer pour finir second. Numéro 15, Phil Reed, le futur vainqueur. À 22 ans, il nous vient de Luton et pilote une Norton. Peut-être un coup de chance pour une première fois, mais certainement aussi un grand pilote. Je ne croyais pas en ma victoire, je pensais que les gens applaudissaient une seconde place. Mais non, ce fut un vrai choc. Phil Reed de Luton sur une Norton. Puis-je être le premier à vous féliciter de cette course spectaculaire ? Merci beaucoup, je n'y crois pas. C'est votre toute première course au TT, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr que j'ai déjà couru ici pour le Manx. Quel est le problème avec votre jambe ? Vous boitez ? C'est juste parce que j'ai dû changer de vitesse environ 2000 fois, c'est douloureux. Si l'on peut qualifier une course de spectaculaire, ce fut bien celle-là. Et quel bonheur cela a dû être pour le jeune Phil Reed de Luton qui gagne ici sa première course au TT et sur une machine anglaise. Phil Reed. Phil chevauche une fois de plus une Norton lorsqu'il prend le départ du senior en 500. Voici maintenant Phil Reed, il est cinquième.
De sa sixième place au premier tour, Phil Reed est remonté en troisième position, avant de chuter dans la partie montagneuse, laissant la voie libre à vraisemblablement son plus grand rival, Michael Wood. J'ai lutté contre lui pendant des années, en fait, depuis mes débuts en course. Vous savez, je n'étais qu'un privé, j'arrivais sur le circuit sur ma moto, et lui arrivait avec son gros semi-remorque, deux motos pour chaque catégorie et chaque cylindrée, et son père suivait dans sa Bentley Continental. Oui, c'était vraiment l'homme que l'on admirait, que l'on essayait d'égaler, voire de dépasser. Durant toutes ces années, j'ai lutté contre ma bête noire. Vous savez, celle qui vous empêche d'accéder à la victoire. S'il n'avait pas été là, j'aurais certainement gagné deux ou trois championnats du monde supplémentaires. Et j'aurais peut-être aussi été un peu plus riche en remportant plus de grands prix et de courses internationales. C'était vraiment un grand champion avec une grande classe. Vous pouviez être au coude à coude avec lui. Jamais il ne tentait quelque chose de déloyal. Il vous battait uniquement au pilotage. Et malgré sa victoire au Titi, suivie de quelques autres, Phil n'obtint pas encore la reconnaissance qu'il pensait mériter. J'étais un peu inquiet de ne pas recevoir plus d'offres après cela. Aussi, cela m'a demandé plusieurs années supplémentaires avant de piloter la Gilera pour l'équipe Scuderia Duke. Ce fut tout de même une bonne saison. Jeff Duke m'apporta une vieille Gilera qui n'avait quasiment pas été préparée, mis à part de nouvelles suspensions et des pneus récents. Phil Reed ne fut jamais le premier pilote de Geoff Duke pour l'équipe Gilera, et les relations ne furent pas toujours très harmonieuses. Derek Minter, pilotant sa propre moto, a eu un grave accident à Brands Hatch, se blessant gravement au dos et se retrouvant dans l'incapacité de continuer à courir pour l'équipe. J'ai donc dû trouver une autre solution et ce fut Phil Reed à ce moment. Bien qu'il fût un excellent pilote, il n'était pas vraiment taillé pour ce genre de course. Si Duke rend responsable ses pilotes, Phil, de son côté, trouve que les machines étaient loin d'être aussi compétitives qu'elles auraient dû l'être. Ils sont arrivés afin de défier en Grand Prix Michael Wood sur sa MV, mais avec des motos pas préparées du tout. Nous étions complètement dépassés. Je me souviens ainsi de notre premier Grand Prix à Hockenheim, lorsqu'il y avait encore ce grand ovale et que nous traînions 12 secondes derrière la Honda 350 d'usine. Selon Jeff Duke, je n'avais pas changé les vitesses correctement. C'était un peu n'importe quoi. Au Grand Prix d'Ulster, mon repose-pied s'est planté dans le sol et je suis tombé. Je me suis blessé au dos et j'en ai souffert pendant des années. La course du Titi en 1963. Reed et John Hartle, sur des Gilera, sont opposés à Aylwood sur sa MV. Le drapeau est levé. Et les deux premiers à s'échapper sont le numéro 3, Mike. Numéro 3, Mike Duff, sur sa Matchless. Et le numéro 4, John Hartle, sur sa Gilera. Regardez-le partant à toute vitesse. Le suivant est Mike Aylwood sur sa MV. 10 secondes derrière John Hartle, 10 secondes devant le numéro 7 Phil Reed sur sa Gilera et le numéro 8 Alan Shepard sur sa Matchless. Aylwood rattrape bientôt Hartle pour prendre la tête et Reed se retrouve troisième. Et Phil Reed, ici avec le numéro 7, est en troisième place sur la deuxième des deux Gilera. Phil Reed nous montre ici sa grande habileté alors qu'il pilote la vieille Gilera à travers ce tortueux circuit de 60 km. Mais malgré tous ses efforts, Aylwood est trop rapide et les deux pilotes Gilera finiront aux seconde et troisième places sur le podium. Mais j'ai alors pu récupérer le moto de Steve Lansdale à la fin de la saison et terminer les championnats anglais en 350 et 500. Ça m'a complètement reboosté. Mais Phil s'était fait remarquer et une proposition arriva. À la fin de l'année 63, je fus étonné de recevoir un télégramme de Yamaha au Japon
me demandant si j'accepterais d'aller chez eux pour piloter leur moto dans le premier Grand Prix japonais. Ma réponse fut bien sûr oui, avec plaisir. Après le meeting, Frank Parrish, qui pilotait pour Suzuki, vint me voir et me dit « Écoute Phil, manifestement tu es un bon pilote et Yamaha te veut pour piloter lors de la prochaine saison. » J'ai couru le premier Grand Prix en Espagne, puis le Grand Prix de France que j'ai gagné. J'ai fini 13e en Espagne et je suis parti avec l'équipe pour l'île de Man. Les motos que Yamaha amena sur l'île de Man pour la course du Titi furent longuement préparées lors de nombreuses matinées d'essais sur l'aérodrome désaffecté de Joby. L'un des coéquipiers de Phil était Tommy Robb, originaire d'Ulster. En 64, j'ai reçu un coup de téléphone de mon vieux copain Phil Reed, me proposant un poste chez Yamaha pour les courses du Titi et éventuellement d'autres courses après. Femme Ito s'étant gravement blessé, ils avaient besoin d'un troisième équipier pour combler l'équipe de Phil Reed. Mike Duff fut alors engagé, mais Mike Duff, comme de nombreuses personnes le savent aujourd'hui, a changé de sexe et s'appelle maintenant Michel Duff. Tommy est l'une des vedettes de ce dîner et l'une des histoires qu'il raconte concerne Phil Reed. Phil Reed. Phil est ici et je vais vous raconter une histoire au sujet de Phil. Phil fut assez sympa lorsque je me suis fait virer de chez Honda. Il m'a immédiatement proposé de travailler pour Yamaha, je n'oublierai jamais cela. J'ai eu un accident avec mon van en 1964, il était bousillé. Nous allions en Hollande pour le Titi. Et Phil m'a demandé quel autre moyen de transport je possédais pour finir l'année. Je lui répondis une Mini. Il m'a dit « Ok, amène ta Mini et tu utiliseras ma remorque ». Nous allions nous entraîner à Scarborough et Phil avait les deux Yamaha à l'arrière du break DS et j'ai pris l'autre Yamaha sur la remorque. Et nous sommes partis sur la 1 pour Scarborough. Phil m'a demandé à quelle vitesse ma Mini pouvait monter. Je lui ai dit 80 à l'heure, grand maxi. Il m'a dit alors ok, je roule derrière toi. Nous sommes alors partis et au bout de 15 km, j'avais mal à la jambe à force d'appuyer comme un fou sur l'accélérateur. Je pensais si je continue à 80, il ne va pas rester longtemps derrière moi. Et soudain, la Mini trouve des chevaux et monte de 80 à 90, puis 100, 110, 120. Et j'ai commencé à perdre le contrôle. La remorque balançait derrière la Mini. Et j'ai pu alors voir ce qui se passait derrière dans mon rétroviseur, ce qui m'était impossible avant. Phil était pied au plancher dans la DS et poussait ma remorque, et donc la Mini. En fait, c'est lui qui m'a poussé tout au long de la 1. « 5h30 du matin et les traditionnels entraînements matinaux réveillent un Phil quelque peu réticent. Les pilotes se préparent pour le premier tour, mais leur concentration ne doit pas se porter uniquement sur leur moto et la course. Ils devront être également attentifs aux mouettes, aux chouettes et aux moutons traînant sur la piste. » C'est la course, et une course difficile pour Phil. En plus de Mike Elwood, il y avait également Jim Renman, puis longtemps la Honda d'usine. Vous savez, c'était ma première année en Grand Prix en 1964 et il était le maestro, le champion du monde, qui pilotait d'invraisemblables machines. Une moto 4 temps face à la difficulté de pilotage d'un 2 temps. Même si la Yamaha était extrêmement rapide, elle était très difficile à piloter. Elle avait une plage d'utilisation très limitée. Et vous noyez les bougies si vous tombiez en dessous de 7000 tours. En tout cas, nous nous sommes engagés au Titi. Je pensais connaître le circuit beaucoup mieux que Jim, car j'avais déjà piloté Mannix lors des précédentes compétitions du Titi. Je suis donc parti en tête, mais j'ai dû m'arrêter pour changer les bougies. Puis attaquer pour revenir dans la course, rattraper Jim pour ensuite abandonner et laisser la victoire à Jim. Dans la course junior du Titi, Phil a magnifiquement piloté sur la JS monocylindre de Tom Kirby contre la surpuissante Honda 4 cylindres de Redman. Phil a piloté avec ses tripes pour finir second et a certainement prouvé quelque chose à Geoff Duke en repoussant Derek Minter à la 4e place.
Nous partons maintenant en Hollande. À Assen, pour un autre Titi, le Dutch Titi, les mécaniciens Yamaha adoptent les chaussures appropriées. Et maintenant, passons à des choses plus sérieuses. En 250, Phil fait un départ fulgurant et mène devant Redman et son coéquipier Duff à la fin du premier tour. Tommy Robb est cinquième. Cette course sera l'une des plus disputées jamais vues sur le célèbre circuit Van Drette, le commandement changeant à chaque tour. Les courses du Titi en Hollande furent réellement excellentes dès le départ. Nous étions en permanence au coude à coude. Parfois, je finissais devant, dans la ligne droite, ou alors j'étais dépassé, mais sur un tour, on était dans les mêmes temps. On se passait, repassait, je lui faisais l'intérieur, il me le refaisait. J'étais en tête à deux virages de la fin, j'ai eu une hésitation. Il a alors immédiatement plongé à l'intérieur. J'ai dû m'écarter avec beaucoup de regrets, et je n'ai pas eu assez de vitesse de pointe pour le battre sur la ligne. Mais les courses étaient toutes très serrées, même en 125, vraiment, vraiment très, très serrées. Très élégant, Redman partage les lauriers de la victoire avec Reed avant que Phil ne parte précipitamment pour la prochaine course des 125 où les pilotes des Yamaha doivent affronter les Honda et les Suzuki. Une fois encore, Phil s'échappe. Et cette fois-ci, la principale opposition vient d'Ulster avec Ralph Bryans. Ralph est félicité par Redman et si Phil donne l'image d'un grand pilote, il ne finit que second à cause d'une moto manquant de puissance. Mais mieux vaut une machine lente que l'on maîtrise parfaitement, comme nous le rappelle Phil. Après Assen, nous sommes allés à Francorchamps, en Belgique, où se trouve l'un des plus rapides circuits au monde, où les 250 tournent aux alentours de 200 km/h, les 500 à plus de 220. En 250, il y avait trois Honda d'usine, avec Redman, Taveri et vraisemblablement Bryans, tandis que moi-même et Mike Duff étions sur les Yamaha d'usine. Jim s'est échappé dès le départ dans la longue ligne droite. J'ai tiré tout ce que je pouvais de la Yamaha pour le passer à l'aspiration, et c'est couché derrière lui que j'ai réussi à prendre plus de 220 km/h. Jim a vu une fumée blanche et s'est rendu compte que j'avais des problèmes. Ma moto a serré et a commencé à sérieusement louvoyer. Pour m'éviter, il a failli se prendre de poteau télégraphique. Je peux vous dire qu'il fut heureux de terminer en seconde position, alors que mon coéquipier Mike Duff s'emparait de la victoire.
Si Phil courait déjà en 125 et en 250, il n'avait pas peur de monter également sur ses AJS et autres matchless, dans un combat quelque peu inégal contre Michael Wood et sa Honda d'usine en 500, et ce aussi bien sur son territoire qu'à l'étranger. Mais le véritable succès se profilait à l'horizon. Au dernier Grand Prix à Monza, nous attaquions tous comme des fous. Et Jim Redman nous mettait environ 2 secondes au tour. Il a possédé jusqu'à 15 secondes d'avance. Mais après une dizaine de tours, sa moto a commencé à chauffer et à avoir des ratés. Je l'ai alors peu à peu remonté pour enfin le passer et ainsi assurer mon premier titre de champion du monde. Une chose incroyable. Ainsi, Phil commença la saison 65 en tant que champion du monde 250 et de nouveau avec Mike Duff, mais accompagné d'un nouveau coéquipier nommé Bill Ivy. Nous avions besoin d'un nouveau pilote et Yamaha me demanda qui je pouvais suggérer. Tout de suite vint à mon esprit le petit Bill Ivy, qui pouvait piloter aussi bien en 125 qu'en 500. Ils m'ont demandé si je pouvais l'appeler. J'ai alors appelé sa mère à Maidstone et celle-ci me répondit que Bill était en train de faire des essais sur 4 roues à Brands Hatch. J'ai donc appelé Brands Hatch et j'ai dit « Salut, c'est Phil, je t'appelle du Japon. Yamaha souhaite que tu pilotes leur moto au Grand Prix du Japon. » Il m'a répondu « Mais je n'ai pas de passeport. » Je lui ai alors assuré que ce serait préférable qu'il en obtienne un et qu'il monte dans le prochain avion pour le Japon, ses frais seraient couverts. Il fit une course formidable et lui fut demandé de piloter l'année suivante. Reed. Mike Duff. Et quelques minutes plus tard, Bill Ivy poussant sa nouvelle monture. Mais ça ne sera pas le jour de Yamaha, Reed abandonne après avoir mené. Au tour suivant, Ivy abandonne également, laissant Duff finir second derrière Redman, de nouveau vainqueur. Voulez-vous reculer ? La police de Manx essaye de contenir le public pendant que Reed vérifie les pneus de sa Yamaha 125 avant la course, espérant que le numéro 7 lui portera chance. Le numéro 4, le pilote suisse Luigi Taveri sur une Honda d'usine. Reed part 20 secondes après Taveri et les mécaniciens n'ont plus qu'une seule chose à faire, attendre. Voici Taveri et Reed n'est pas loin. Il est maintenant en tête sur le circuit et dans la course. Ernst Degner, Suzuki. Ralph Bryans, Honda. Hugh Anderson, Suzuki. Bill Ivy, Yamaha, bien que sa moto ressemble à s'y méprendre à une Honda. Au final, c'est une nouvelle grande victoire pour Phil Reed devant Taveri et Duff. Les yeux des Japonais pétillent de bonheur. Et maintenant, le circuit de Spa-Francorchamps dans les Ardennes belges, où les deux R, Redman et Reed, offrent de nouveau un superbe spectacle à leurs fans. Cette fois-ci, Redman l'emporte, mais Reed devient champion du monde en 250 pour sa seconde année consécutive. 1966, c'est le Grand Prix de Hollande où l'on verra Redman et Elwood sur des Honda 6 cylindres affronter les Yamaha 4 cylindres de Reed et Davey. Elwood, Reed. Ivy, Redman.
J'essayais évidemment de gagner le championnat du monde des 250, mais la mécanique nous a posé quelques problèmes. Je suis tombé plusieurs fois avec la 4 cylindres, une moto difficile à piloter comparée à la Honda. Nous avons connu également quelques pannes mécaniques et finalement j'ai terminé l'année à égalité de points avec Michael Wood. Mais il avait une troisième place de plus que moi et de fait, le titre du champion du monde lui fut attribué. La même chose arriva en 67, mais tout n'allait pas pour le mieux dans l'équipe Yamaha. Je pilotais avec Ivy une 125 4 cylindres, une machine fantastique. Et également une 250 4 cylindres, qui fut une machine incroyable, très 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 puissante, mais un peu difficile à piloter et un peu lourde. Nous avions quelques soucis avec cela et Michael Wood m'a coiffé de nouveau au championnat du monde. Bill a fait des courses incroyables sur ses motos. Il pilotait avec une invraisemblable rage. Puis Bill, au début de la saison 68, alors que nous nous trouvions au Japon à la fin de la saison 67 pour le dernier Grand Prix, celui du Japon, sentait manifestement qu'il avait de bonnes chances de gagner le titre en 250. Les deux championnats récemment perdus m'avaient un peu démoralisé. Il en discutait en aparté avec les patrons de Yamaha, sans que je le sache, et les persuada de lui laisser gagner le championnat du monde en 250 pendant que je remportais le titre en 125. Au fur et à mesure que l'on avança dans la saison, j'ai compris que Bill annonçait partout qu'il pouvait battre facilement Phil Reed pour le titre en 250 et que Yamaha avait donné des strictes consignes. Et pendant les compétitions, je fus obligé de constater que si Bill était par exemple en tête d'une course en 125, il ne me laissait jamais passer au dernier tour afin de me laisser gagner. Et bien entendu, la même chose en 250. Je commençais donc à sérieusement m'inquiéter pour les saisons à venir et je me suis dit que si je laissais Bill gagner en 250, je serais sans doute exclu de l'équipe Yamaha. Nous nous sommes retrouvés pour le Grand Prix de Tchécoslovaquie. Sur la ligne de départ, alors que j'avais déjà le titre 125 en poche, j'ai dit à Bill sur la ligne que s'il voulait remporter le titre en 250, il lui faudrait me battre ici. Il m'a répondu, ah, tu crois ça? On a couru, j'ai gagné, et comme on dit, ça l'a mis dans une rage noire. Il a sauté, crié, hurlé que j'aurais dû le laisser gagner, que je courais contre les consignes de l'écurie. Une scène vraiment originale. Ceci a réellement égayé la saison, car nous étions comme deux équipes travaillant séparément. Il y avait beaucoup de tension, vraiment. Beaucoup de tension malgré les mécaniciens qui étaient vraiment adorables. Ils travaillaient tous sans faire de différence entre nous. Bill essayait d'obtenir une fourche Norton spéciale pour améliorer la maniabilité de sa moto et un échappement spécial de Yamaha. Le directeur d'écurie de Yamaha me demanda d'essayer de garder de bonnes relations et un bon esprit avec Bill Ivy. Nous sommes donc arrivés au dernier Grand Prix de la saison, alors que nous avions le même nombre de points et le même nombre de victoires en 250, le même nombre de secondes places en 250. Aussi, celui qui gagnait le Grand Prix à Monza devenait champion du monde. J'ai fait un départ correct, le circuit était encore un peu humide, et j'ai commencé à prendre un peu d'avance en tête. Bill s'est mis à attaquer comme un fou, mais sans doute un peu trop. Il est entré trop vite dans le parabolique, s'est sorti, n'a pas pu reprendre la course, et j'ai ainsi gagné la course et le championnat du monde. Bill était fou furieux, et il essaya de me faire disqualifier pour un moteur non conforme ou une machine trop légère, ou je ne sais plus trop quoi. Mais c'était vraiment pathétique, très triste. Malheureusement, Bill ne peut plus nous donner sa version des faits. Il se tuait au Sachsenring l'année suivante. Mais quelle que soit leur différence, l'épitaphe de Phil Reed dans le livre de condoléances de Bill, pas de temps à perdre, était aussi juste qu'appropriée. Bill fut l'un des meilleurs et l'un des plus braves. À la fin de cette saison, Yamaha a décidé de se retirer des Grands Prix. Je me suis donc retrouvé à pied, sauf à piloter les compés clients que Yamaha était en train de fabriquer et que n'importe qui pouvait acheter. Ainsi, lors des deux années suivantes, j'ai couru avec ces motos, la fierté de Yamaha, et ce avec succès, puisqu'en 71, grâce à un sérieux coup de main de Castrol, j'ai pu me battre et remporter le titre en 250. Phil a également couru en même temps pour John Player Norton, mais connu plus de succès avec Yamaha en devenant pour la cinquième fois champion du monde. En 72, après avoir gagné le titre en 250, on s'est retrouvé à Clermont. Ma 350 avait cassé, je n'avais pas de pièces pour la réparer.
J'ai donc couru avec ma 250 dans la course des 500 contre Agostini, les Linto, les Aermacchi, les Norton et autres G50. Ce genre de moto, et également toutes les Yamaha 350 Compé clients. C'était légèrement humide, Agostini a pris la tête, je l'ai suivi sur deux tours, et j'ai réalisé que je pouvais le passer. Mais je devais prendre le départ des 250 pour l'argent de la prime de départ. Et je savais que si je remportais la course des 500, j'aurais été disqualifié pour machine trop légère. Je me suis donc retiré après avoir mené pendant 10 tours, et je suis rentré au stand. Mais alors que je revenais avec Madeleine vers mon stand, je suis passé devant l'écurie MV, qui était emplie de paparazzi italiens. J'ai leur dit, je pense que c'était Peno Alivi, de la Gazette de la Sport. J'ai dit, Peno, si vous pouviez écrire que je peux aider MV Agusta, peut-être même devriez-vous parler à Corrado Agusta, lui dire que je suis disponible pour aider Agostini dans sa bataille contre les Yamaha Compé clients. C'est effectivement ce qu'il a fait. Il est allé voir Corrado Agusta, qui m'a demandé de venir faire des essais sur leur machine, avec la possibilité de piloter avec Agostini. Les machines ont donc été sorties des stands, stands où je n'étais pas autorisé à rentrer afin de ne pas avoir accès à certains secrets. J'étais donc pressenti pour essayer les machines et quelques jours plus tard, je montais sur une MV. Je suis donc parti à Monza pour les essais. J'ai aussi eu une entrevue avec Corrado Agusta qui me demanda si je voulais bien piloter la 350 car la 500 était une machine puissante et demandait un temps d'adaptation. J'ai bien entendu tout de suite accepté. Nous voici sur l'île de Man pour les courses du Titi de 1972 et Phil est encore plus sous pression qu'habituellement. Comment se sent-on dans l'équipe Agusta ? Terrible, terrible. Vous savez, avec ma moto, j'aurais pu abandonner. J'aurais pu m'arrêter n'importe où pour une tasse de thé, ce n'aurait pas été grave. Mais là, maintenant, je dois absolument finir, coûte que coûte. Pendant qu'Agostini, sur sa MV, ne manque jamais de se battre pour une énième victoire, Phil ne connaît pas la même réussite. Qu'est-ce qui n'allait pas ? J'ai eu des problèmes de boîte de vitesse. En fait, au premier tour, tout allait bien. Je pense que j'ai été dépassé par deux Yamaha dans la montagne. Mais j'aurais pu finir second si ma boîte de vitesse n'avait pas cassé. Vous savez, j'ai dû ôter la chaîne en haut de la montagne pour descendre en roue libre. Et puis j'ai poussé à partir de Windy. Maintenant, la course des 250. Phil est d'autant plus motivé que deux de ses principaux rivaux, Rob Gould et Charles Mortimer, sont équipés de Yamaha d'usine et bénéficient des mécaniciens exceptionnels tels que Nobby Clark et Vince French. Mais la victoire fut remportée une fois de plus par une combinaison quasiment imbattable, Phil Reed et sa Yamaha sur le circuit de l'île de Man. Maintenant, direction la Hollande, et tout comme Gould, Phil affronte le Finlandais volant Jarno Saarinen. Gould part devant le premier, et Phil a sur ses talons Pasolini et Saarinen. Manquant de puissance, Phil lutte pour la quatrième place derrière Pasolini et Saarinen pendant que Gould, vainqueur, discute avec Barry Sheen, blessé.
Maintenant, la course des 350. Reed, Pasolini, Agostini, Dranas, Brown, Saarinen. La course devient vite une bataille entre Reed et son coéquipier Giacomo Agostini. Mais comment cela s'est-il fini ? Lorsque j'ai rejoint l'équipe MV, je pense qu'Agostini était conscient du fait que son avis ne serait plus le seul et unique pris en compte. Un nouveau pilote arrivé, Phil Reed, ce jeune Britannique qui pensait pouvoir le battre. Objectivement, Ago considérait que j'étais un bon pilote, mais il était aussi inquiet. Et je pense que ça ne pouvait pas marcher, car il savait que j'étais prêt à prendre tous les risques pour m'imposer. Il obligeait aussi MV à dépenser toujours plus d'argent dans le développement afin d'améliorer les machines, car il voyait bien que beaucoup de machines japonaises beaucoup plus puissantes et beaucoup plus rapides arrivaient sur les circuits. J'admirais énormément Agostini en tant que pilote. Un superbe pilote qui, lorsque les choses devinrent difficiles, s'est toujours battu comme un beau diable. Un pilote extrêmement brillant. De retour au Grand Prix de Belgique en 250. Saarinen a rapidement pris la tête et Phil lutte avec Grassetti, Brown, Dodds et Gould. Saarinen gagne pour remporter le titre mondial en 250 et à la fin de la saison débarque à Scarborough pour défier Phil sur ses propres terres. Mais Phil avait déjà en tête des choses bien plus importantes. À la fin de la saison 72, MV m'a fourni une 503 cylindres pour Silverstone, où j'ai battu le record autour d'Agostini de 2 secondes. Ils ont enfin réalisé que peut-être je pouvais également piloter une 500. Et pour la saison 73, on m'a demandé de piloter les deux motos. Un challenge de taille pour MV en 500 avec une nouvelle Yamaha 500 et un super romancel, Jarno Saarinen. Ce premier Grand Prix de la saison aura lieu sur le nouveau circuit Paul Ricard dans le sud de la France. Saarinen impose vite sa présence et Agostini et Reed devront aller chercher le moindre centième pour arriver à s'accrocher. Agostini est à la limite lorsqu'il chute. Heureusement, seule la MV est endommagée, mis à part la fierté d'Agusta et du pilote italien. Quel souvenir Phil garde-t-il de Saarinen ? Il était un brillant pilote et attaquait en permanence. Je n'ai jamais vu quelqu'un piloter une moto à la limite à ce point. Il était absolument incroyable. Incroyable. Il était aussi lorsqu'il partait sur l'herbe et qu'il arrivait toujours à rester sur sa moto. Il nous a poussé à attaquer au-delà du possible avec nos MV. Avec Jarno loin devant, Phil s'engageait dans un âpre combat pour le gain de la seconde place contre Hidea Kanaya, le deuxième pilote Yamaha.
La plus grande expérience de Phil en course lui permit de coiffer Kanaya sur la ligne. Du soleil de la Méditerranée à la neige et à la pluie de Salzbourg, le Grand Prix autrichien. Au drapeau, Reed en tête sur sa MV, poursuivi par Saarinen et sa Yamaha. Saarinen fait savoir à Phil Reed qu'il est juste derrière et Phil va devoir attaquer pour relever le challenge d'une Yamaha bien plus légère et bien plus maniable. En premier à l'extérieur, puis à l'intérieur, et inévitablement, Saarinen se glisse pour passer devant. Mauvaise journée pour MV Agusta avec Agostini puis Reed qui sont contraints à l'abandon. Deux courses et deux victoires. Alors que le Continental Circus part vers l'Allemagne, Phil décide qu'il serait préférable d'avoir une Yamaha et dérobe la moto de Jarno dans les stands. Mais revenons à des choses plus sérieuses. Décidément, la chance n'est pas du côté de MV et Ago et Reed doivent tous deux abandonner en 350. Les voici en train d'enfiler leur cuir, se préparant pour la course des 500 sur le superbe circuit d'Hockenheim. Une fois encore, Reed et Saarinen sont largement au-dessus du lot. Mais la Yamaha, d'habitude remarquablement fiable, casse. Et Reed en profite alors pour remporter l'une de ses premières victoires sur la 500 MV Agusta. Tout semblait prêt pour une magnifique saison, mais malheureusement, il n'en fut rien avec Renzo Pasolini et Jarno Saarinen qui se tuèrent tous les deux à Monza. C'était un grand pilote, très professionnel et très consciencieux. Pas un homme facile à connaître, parce qu'il était très déterminé. C'était un pilote fantastique. Il avait tout le monde à ses pieds. Il a fait de moi un meilleur pilote. Une mort tragique. Mais Phil sait que pour de grandes victoires, il faut aussi courir de grands risques. Et cette fameuse limite, l'avez-vous atteinte aujourd'hui? Peut-être trois ou quatre fois pendant la saison.
Mais j'ai toujours essayé de piloter en dessous de cette fameuse limite. Et c'est probablement la raison pour laquelle je n'ai pas eu beaucoup d'accidents. L'année dernière, je ne suis pas tombé du tout. Qu'avez-vous à subir comme blessure depuis le début ? Je me suis fracturé le dos et cassé un poignet, des mille autres poignets. J'ai eu des commotions plusieurs fois, fissuré mon bassin. Mais la seule blessure visible reste ce petit doigt un peu bizarre. Pouvons-nous jeter un œil dessus une minute ? Que vous est-il arrivé ? Je n'avais plus de peau sur l'os à Imola lorsque je suis tombé de la Norton John Player. Cela ne semblait pas si grave sur le moment, mais mon doigt a fini par ressembler à une manivelle. Après, j'ai finalement battu Agostini sur les MV Agusta et j'ai gagné mon premier titre de champion du monde en 500. Nous nous battions en 1974 contre les Suzuki 4 cylindres d'usine et contre les Yamaha d'usine qui se révélaient extrêmement compétitives. Nous devions nous battre contre Barry Sheen sur la Suzuki usine, Jack Findlay et Paul Smart et évidemment Yamaha avec Agostini qui était parti chez Yamaha dans des conditions particulièrement controversées. Le dilemme devenait pour le moins tendu pour MV. Des MV italiennes contre un pilote italien, Agostini, qui pilotait une japonaise. Ce fut une saison infernale. Philhead a réalisé le rêve d'une jeune admiratrice pendant qu'Ago arrive avec sa nouvelle tenue Yamaha. Phil désire vivement que la nouvelle saison commence, alors que le public entourant le circuit de Clermont-Ferrand attend avec impatience le départ. Phil prend la tête sous la pression d'un autre Finlandais volant, un grand ami de Saarinen, Teppi Lantsavuori. Par la suite, Phil doit lutter contre son ancien coéquipier Agostini et se rendre compte que la MV ne peut en aucun cas rivaliser avec la Yamaha. Il se retrouve alors en troisième place. Un début réussi pour Ago avec les Yamaha en 350 en attendant la course des 500. Phil a un nouveau coéquipier chez MV, l'Italien Gianfranco Bonera. Reed, Sheen, Lantsavuori, Agostini, Rougerie, Bonera et Ponce. Il y a maintenant trois hommes en tête. Reed, Agostini et Sheen, soit MV Agusta, Yamaha et Suzuki. Mais Reed apparaît soudain seul. Ago a dû abandonner sur casse moteur. Premier succès pour Reed et MV, mais il reste encore 11 Grands Prix à courir. Bien que la rumeur ait affirmé le contraire, MV se présente au départ des 350 sur le circuit détrempé et venteux du Salzbourg. Au début de la course, tout semble marcher comme prévu.
Mais soudain, Lance Savoury décide d'attaquer et Phil doit s'employer au-delà du raisonnable pour garder le contact. Il réussit à tenir le rythme jusqu'à mi-course, mais sa moto finit par casser. MV décida de se retirer des Grands Prix 350 pour le reste de la saison. Un coup dur pour Reed. Le circuit Ferrari à Imola, la terre d'élection du Grand Prix d'Italie. La foule italienne était déchaînée contre Agostini. Les Italiens considéraient toujours Agostini comme un grand pilote. Mais ils étaient furieux qu'ayant piloté des machines italiennes pendant si longtemps, ils puissent se tourner maintenant vers les japonaises. On retrouve en tête Shin qui mène la danse et devant un public aux anges, c'est le nouveau coéquipier de Phil, Gianfranco Bonera, qui est deuxième. Mais c'est le désastre pour Reed. Sa roue arrière se bloque et il doit faire un tout droit. Heureusement, il est face à un échappatoire, mais il ne pourra jamais revenir sur les hommes de tête. Derrière Phil, on retrouve des pilotes en permanence sur le fil du rasoir. Des hommes tels que Paolo Campanelli, par exemple, toujours à l'extrême limite. Les secours arriveront rapidement et par bonheur, il n'avait rien de grave. Mais comme d'habitude, les officiels italiens réagiront de façon excessive. On retrouve maintenant le Titi en Hollande et Barry prend en affection notre caméraman. Ceci aide tout le monde à se relâcher un peu avant le départ. Agostini semble être plutôt confiant après quelques modifications d'usine sur la Yamaha. Shin semble autre part et il paraît pris au dépourvu lorsque les pilotes démarrent dans un bruit de tonnerre. Phil réalise une fois de plus un très beau départ, mais à mi-course, la nouvelle Yamaha d'Agostini s'envole et distance ses poursuivants seconde par seconde.
Landsavoury parvint, avant le drapeau à damier, à faire rétrograder Phil en troisième position. Phil n'hésite pas à féliciter Ago pour son super pilotage. Mais pour Phil, la course était loin d'être finie. Après les courses du Titi, je pensais que j'étais second ou troisième derrière Agostini et que la MV était vraiment limitée. Je suis allé voir Corrado Agusta pour discuter des problèmes au sujet de ma moto. Et le fait de discuter avec lui m'a remonté le moral. Nous sommes alors partis pour le Grand Prix de Belgique. J'étais remonté à bloc. C'était le circuit le plus adapté à nos motos et je les ai tous largués. J'avais tellement pris d'avance qu'à la fin du premier tour, le public a pensé qu'il y avait eu derrière moi une chute générale. Il a fallu beaucoup de temps entre le moment où je suis passé sur la ligne et le moment où les autres pilotes sont enfin réapparus. Ils étaient tout simplement fous furieux. Je venais d'établir un nouveau record du tour avec la plus grande vitesse moyenne jamais atteinte en Grand Prix. Ceci fut une sorte de signal pour le reste de la saison. Et les choses allèrent de mieux en mieux, avec Bonera qui rejoignit Reed pour réaliser un doublé MV. C'était une immense joie pour Phil Reed, qui, sous les applaudissements du public, pensait déjà à la Scandinavie et aux deux derniers Grands Prix qui pourraient lui rapporter un autre titre de champion du monde. Premier sur la liste, le Grand Prix de Suède, sur le petit circuit d'Anderstorp. Le départ de la course fut dramatique. Observez en bas de votre écran. Je pense que Shin menait à ce moment, car Agostini n'était pas assez rapide pour distancer Shin. Nous étions tous dans le même paquet, j'ai dû garder ma moto droite, Ago a plongé, je l'ai alors passé, j'ai gagné. Il me restait donc juste à gagner en Finlande pour finir champion du monde contre Landsavoury, un excellent pilote à cette époque, surtout sur ces terres. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance de gagner. Le circuit d'Imatra pour le Grand Prix de Finlande était considéré par certains pilotes plus dangereux que celui de l'île de Man. Mais Phil n'éprouve manifestement aucune crainte lorsqu'il prend la tête de la course. Reed de nouveau. Et Tepi qui passe à la corde. Bonera couvre soigneusement Reed en route vers un autre titre de champion du monde. Phil montre sa gratitude à toute l'équipe MV pour le travail accompli. Mais qu'en est-il de l'homme absent de cette 7 finale, le plus grand admirateur de Phil Reed, Giacomo Agostini? Je me suis laissé dire récemment qu'Agostini disait que si 4 des grands pilotes de nos jours, vous êtes l'un d'entre eux, pilotaient des motos identiques, il pensait que vous pourriez finir que 4e. 4e, voire 5e. 4e ou 5e, oui. Et lui gagne la course, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais sérieusement, que pensez-vous de ces paroles? Bien, jugé de ses performances lors des deux dernières saisons, je dirais qu'il serait lui-même chanceux de finir 4e. 1976, de retour sur Yamaha. Le changement arrive par l'écurie MV, bien sûr. Je n'ai pas vraiment su apprécier à sa juste valeur mon titre, car ça a été si facile avec MV Agusta. Je sautais dans un avion, je louais une voiture, j'allais jusqu'au circuit, et je m'asseyais pendant que les mécaniciens travaillaient sur la moto.
Je ne m'occupe plus de rien, ni pièces, ni transport. Ce n'est plus aussi difficile que ça l'était en 71, mais ça reste un sacré boulot. Avec le retrait de MV, c'est maintenant une bataille entre Yamaha et Suzuki. Et cela devient vite une course avec deux équipages, Shin sur Suzuki contre Reed sur Yamaha. Une autre grande classique pour les fans. Shin récolte quelques kilos supplémentaires de trophées par rapport à Phil, mais quelles courses nous ont offert ces deux champions? Une photo pour un jeune admirateur qui rencontre son héros. Mais Phil ne se présente pas au départ du TT hollandais. Et alors que les essais du Grand Prix d'Allemagne commencent au Nürburgring, Phil n'est pas en combinaison. Pourquoi? Eh bien, ce qui s'est passé, les raisons de mon arrêt sont que j'ai essayé de faire de mon mieux, de notre mieux. Et j'ai investi beaucoup d'argent dans le transport pour rapatrier mon équipe d'Australie. Vous savez, celle avec laquelle j'ai couru il y a quelques années. J'ai fait tout ce que j'ai pu dans les quatre premiers Grands Prix, mais il était évident que je n'avais aucune chance de remporter le championnat du monde contre les Suzuki d'usine. Une année plus tard, à la surprise générale, Phil est de retour sur l'île de Man. Mon retour aux courses TT en 77 était réellement difficile. Car si j'adore cette course de tout mon cœur, j'avais pris position contre le fait que les TT soient une épreuve comptant pour le championnat du monde. Évidemment, cela a fâché de nombreux fans du TT, surtout les plus acharnés. Et le Marshal a même menacé de se mettre en grève si je venais courir dans l'île. Je sais que le jour où je suis arrivé avec ma voiture, avec mon van, et que je me suis garé devant l'hôtel, devant Douglas, un policier a frappé à ma porte et m'a dit « Monsieur Reed, je vous conseille de bouger votre van, car vous savez, il y a beaucoup de tension ici contre vous. » Voilà le genre d'atmosphère dans laquelle je devais prendre le départ, alors que tout ce que je voulais faire, c'était améliorer la sécurité, et principalement la sécurité des pilotes. En 72, j'ai gagné la course en 250 et on m'a versé 350 euros plus 40 euros de primes. Je veux dire que c'était vraiment minable. Mais les organisateurs disaient que c'était comme ça, que c'était à prendre ou à laisser, que de toute façon, les amateurs de circuit en montagne ne manquaient pas. En tout cas, je n'ai pas couru pendant 5 ans. Le TT a perdu pendant ce temps son statut de course comptant pour le championnat. J'ai alors appris qu'ils versaient désormais des primes de départ beaucoup plus conséquentes. J'ai eu un rendez-vous avec la CU à Londres. Ils m'ont payé, je ne sais pas, 50 fois plus que ce qu'ils me payaient il y a 5 ans. Et je n'avais plus qu'à m'occuper des motos. J'ai piloté en Formule 1 pour Honda, le tout premier championnat du monde de Formule 1. Le temps était exécrable, il y avait des torrents d'eau le long de la route et je ne sais pas comment j'ai fait pour rester sur ma moto. Mais je me rappelle avoir gagné à plus de 160 km/h de moyenne et remporté du même coup ce championnat du monde à une seule course. C'était une belle performance, mais ce que j'ai reçu en retour peut être qualifié de médiocre. Le mercredi arrivé à la course senior, je l'ai gagné et le retour fut bien meilleur. En fait, j'étais très chanceux de finir cette course. Le temps était brumeux et humide dans les montagnes et soudain, j'ai vu surgir de la brume un policier agitant un chiffon jaune. J'ai ralenti, réalisant qu'il devait y avoir sans doute un problème. J'ai alors vu Alex George et sa moto couchée en travers du bitume, exactement là où j'allais passer. Il s'est avéré que c'était une femme policier, et je lui suis encore reconnaissant aujourd'hui. La course en superbike avec la Yamaha 750,
Je faisais des essais aux alentours de Craigny Bar, juste pour régler ma carburation et ma démultiplication. Et je suis tombé en me cassant la clavicule. On m'a transporté inconscient dans l'ambulance et ramené jusqu'au stand. Pendant ce temps, un habitant de l'île a rapporté les faits à la police. Quelques minutes après, la police est arrivée, collant leur tête à l'ambulance et ont déclaré « Vous pilotiez une moto avec des pneus lisses, et c'est interdit. » En tout cas, ça m'a coûté 40 euros de PV. J'ai quitté l'île, j'avais réussi à rencontrer la femme policier qui m'avait sauvé la vie et permis de gagner la course. Je me suis présenté à elle en lui faisant cadeau de mon casque fêlé et j'ai ensuite pris l'avion. Ce fut pour moi un sensationnel revirement cette saison-là, et vraiment, vraiment agréable. L'année suivante, en 1978, manifestement, Michael Wood avait entendu dire que Phil Reed, le vieux routier, avait gagné une course au Titi et remporté un autre titre de champion du monde. Je pense que Mike s'est senti un peu frustré, comme je l'avais été l'année précédente, et a décidé que si Phil Reed pouvait le faire, alors il pouvait le faire aussi. Bien sûr, j'étais ravi que Mike ait décidé de revenir, car je pense qu'il fut l'un des meilleurs pilotes de tous les temps. Je l'observais attentivement lorsque je le suivais, mais c'était toujours difficile de le battre. Cela a toujours été une chose très difficile à réaliser. Vous devez apprendre tout seul, essayer d'avoir une bonne moto et travailler très dur. Je partais avec le numéro 1 car j'avais gagné l'année précédente et Mike partait 40 secondes derrière moi. Il m'a rattrapé au bout d'un tour et demi. J'étais un peu déçu mais ravi pour Mike, tout comme le public, car ensuite nous nous sommes suivis pendant deux tours pendant lesquels nous n'avons pas cessé de nous bagarrer. J'arrivais à le dépasser à l'accélération en sortie de virage et dans les courbes rapides, mais la Ducati était bien plus maniable et il me repassait devant sans arrêt. Le public était debout dans les tribunes, c'était extraordinaire. Mais lors du dernier tour, une durite d'huile où le radiateur d'huile a lâché et m'a recouvert d'huile. Mais j'étais ravi d'apprendre que Mike avait gagné. Je suis retourné au paddock et finalement à son hôtel avec mon vieux cuir graisseux. Je suis monté dans sa chambre et je lui ai dit « Mike, je suis ravi, c'est fantastique. » Phil a continué à courir pendant encore quelques années, mais sans succès. Et l'annonce de sa retraite n'aura été une surprise pour personne. Et depuis mon retrait de la compétition, depuis ma dernière course au Titi en 1982, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir encore beaucoup de choses à réaliser. Et j'ai essayé d'utiliser cette énergie, cette envie, en faisant des choses diverses. J'ai monté une entreprise fabriquant des casques haute technologie contre les chocs. Ensuite, j'ai essayé de mettre au point un anti-blocage de frein pour les motos avec Lucas Gearling. Ça ne s'est pas très bien passé, car le fabricant n'y croyait pas beaucoup, ce qui est plutôt frustrant, car je pense que ce genre d'équipement est essentiel à la moto. J'ai essayé de vendre la réplique du biplan World One à travers l'Europe, mais ce fut un échec. Bien que j'ai essayé de contacter des distributeurs d'avions, mais personne ne m'en a acheté. Mais depuis, je suis devenu un excellent golfeur. Et l'explosion du golf m'a fait réaliser qu'il y avait un gros potentiel. J'adore la campagne, j'aime le golf. Je suis attentivement les compétitions de golf. J'ai donc monté une société pour dessiner et créer des practices avec les meilleurs spécialistes du pays. Lorsque j'aurai le retour de tout cela, j'espère remettre un pied dans le monde de la course. J'ai des enfants qui aimeraient courir et j'aimerais bien sponsoriser une série de motos de course anglaise, ce qui serait vraiment bien pour finir ma carrière et fermer le rideau de mon engagement dans le monde de la moto. Et lorsque je regarde ma carrière dans le monde de la course, je peux dire qu'elle était pour le moins variée et passionnante. J'ai gagné 8 championnats du monde et 54 grands prix aux quatre coins de la planète, en 125, 250, en 500 et en 750. Ce fut vraiment incroyable. Incroyable, oui. Controversé, peut-être. Mais il reste une chose incontestable. Phil Reed fut un brillant pilote, ne craignant pas de parler avec son cœur et qui a fait tout son possible pour devenir un immense champion.